Et nous voilà chez Lilou et Mathieu dans leur petit nid, ça y est, ils se sont envolés et on va vous présenter leur petite ludothèque. Alors, ça se passe en bas, elle est toute petite mais il y a du choix déjà. Elle va grossir bien sûr. Et alors, je vais commencer juste par une nouveauté qu'on va jouer tout à l'heure. Oui. Ensemble. Oui. En famille. Codenames Disney. Et on va le tester en famille. Ils l'ont même pas dépisté, je crois. Je regarde, je vérifie. Non ? Ils nous ont entendus. Oui. Yes. Trop cool. Donc, on va voir ça ensemble. Bienvenue dans Codenames Disney, les enfants. Ouais. Alors, deux équipes s'affrontent pour être la première, à identifier toutes ces cartes trésors. Attention. Alors, chaque équipe comprend un enchanteur qui connaît l'emplacement de chacune des cartes trésors que son équipe doit retrouver. Et celui-ci doit donner à ses coéquipiers des indices sous la forme de code afin qu'ils retrouvent leurs cartes. Mais soyez prudents. Si vous déchiffrez mal le code, vous pourriez aider l'équipe adverse. Le jeu est une course où il faudra identifier toutes les cartes de votre équipe en premier. Alors, on est l'équipe bleue, c'est les filles qui commencent. Yes ! Et c'est parti pour Codename. Alors attention, ça a l'air si simple, mais ça n'est pas du tout. Alors nous, on va faire un petit générique. Hein. Le roseau est toujours plus laid dans le pays à côté. J'aimerais bien vivre sur terre. Bonjour la calamité. Okay. N'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec ce que je dois faire deviner. Hein. Oui, bien sûr. Non, Jean, il le fait mieux que moi. Alors, c'est parti, je vais dire en trois. Trois cartes. Ça va ? Ouais. Pardon. Portrait. Allez-y, les filles, choisissez. Ça veut dire que c'est une seule personne, un portrait, Lilou. Donc, les filles se sont trompées. Elles sont tombées sur un personnage qui est neutre. Neutre. Ce qui veut dire que votre tour prend fin tout de suite. Ah, tout de suite ? Et ouais. C'est au tour des garçons. C'est parti. Vous êtes prêts, les garçons ? Je vais dire, attention, Gaston 2. Déjà, il y a celle-là. Forcément. Forcément. Donc, si vous êtes d'accord, vous mettez une carte rouge sur Gaston et je vous dis on si est d'accord. C'est... Mm-hmm, complètement, si, ouais. Si c'est OK. Alors, j'ai assez honte de moi parce que je me suis mal projeté dans l'espace. Souvent, c'est moi qui ai des problèmes de vision dans l'espace. Ouais. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous. Ouais. Alors, les filles, donc, elles doivent se rappeler du mot que j'ai dit précédemment. Ouais. Et maintenant, je veux dire filles. 3. Ah. Wow. 3 filles. C'est beaucoup. 3 filles. Et le premier mot, c'était... Je ne l'ai pas. Voilà, il faut qu'elles se rappellent. Bon, c'était pas longtemps. Et les gars, on va se rattraper ou pas ? Ouais. Je pense. Ça va faire, hein. Vanellope Van Schwitz. Oui, Vanellope, yes. Allez, puis on trouvait les trois filles. La Reine des Neiges, Ariel qui était là. Ouais. Bravo les filles. Et Vanellope. Mmh. Et donc en dernière, j'aurais dû révéler Congo. Mais ouais, on a quand même réussi du coup. Ouais, bah beau challenge, maintenant c'est à vous les garçons. Bon, allez, c'est parti. C'est au tour des garçons. Ouais. Animal. C'est chaud, patin. 2. Ah oui. Animal 2. Animal 2. Bah, il y a plein d'animaux là. Il a la foi. Excellent. J'ai la foi. Ouais. C'est bien. C'est fou. Animal 2. C'est n'importe quoi. Ouais, hein. c'est bien. Il n'y a que des animaux, hein. Sur toutes les cartes. C'est parti. Fatih, on est Sébastien. Pour le mettre sur Sébastien. C'est bon. T'avais dit 2. J'avais dit 2. Et ensuite deuxième maintenant. Dory. Allez, Dory. J'ai envie, moi. Non, c'était... Oui, c'est à nous, les bleus. Ouais. T'as les mains qui tremblent, mec. Parce que je vais prendre un risque pour dire un mot. Je vais essayer de finir par 2. Ça aurait été plus simple de finir par 1-1. Ok. Mais il y a moins de challenge. Alors je vais dire en 2. Éclair. Non. Oui. Ok. Oh, il en reste plus qu'une pour l'équipe des bleus. Mais l'autre. Je pense qu'on a perdu, hein, les garçons. Qu'est-ce que ça peut être, l'autre ? Un disque. Rappelez-vous même les mots d'avant, les filles. Les deux sont discutés. Alors ? C'est ça ? C'est ça. Oh.
Victoire des filles. Victoire des filles. Mais pourquoi éclair? Parce que lui, la lumière. Tout simplement. C'est la lumière aussi. La lumière aussi, ouais. Voilà. Et c'est. Et bon. Je suis content de ne pas faire équipe avec lui. On fait une revanche? Allez, c'est parti. I'm feeling sexy and free. Moi je parle pas. Les filles ont gagné, donc on a fait en tout 3 matchs, hein, ouais. On a tous passé. 3 défaites pour nous. Voilà, très difficile pour les garçons de se mettre dans un jeu d'ambiance où il faut chanter, rigoler, où c'est pas sérieux. C'est moi ça. Je veux dire ça. En tout cas, Codename, en famille, ça peut être très sympa avec des amis, mais pas avec Quilo. C'est ça. On a perdu 3 parties, mais c'est pas grave, je garde le sourire parce que je suis avec Fourchette. Qui a trop envie d'aller à la poubelle. Fourchette? Fourchette? Fourchette, poubelle. Viens. Ah, elle est où ta poubelle? C'est un détritus. Vite, tu veux y aller, vite. Yes. Fourchette, non, pas Fourchette à la poubelle. Il est trop choupinou, même. Bon, on a que ça à faire. Bon, on vous dit, en tout cas, merci de continuer à nous suivre. Mettez des likes sur cette vidéo un peu folle. Mais par-dessus tout, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer, parce que jouer... Jouer, c'est partager. On compte sur vous. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. Il faut de tout pour faire un